Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 4 de Banjo et Kazooie l'épopée. Ah, donc on avait découvert un nouveau tableau qui est la Clanker's Cavern, la caverne de Clanker. Donc voilà, donc on va commencer. J'ai repéré ce petit bouton, il me demande à quoi ça sert. Donc je vais taper dessus pour voir. Non, ça fait rien. Oh non, c'est pas grave. Allez hop, on va continuer et commencer ce petit niveau, yeah. Petit problème de transparence, c'est pour ça que les pièces de puzzle, elles sont sur fond noir. Un seul mouvement spécial à apprendre dans ce monde. Mais il est bien caché. D'accord, parle lentement, ça ira mieux. Alors qu'est-ce qu'on a là? C'est pas très haut. Oh, encore un crabe. Ah oui, donc c'est l'univers où c'est des espèces d'égouts en fait. Donc c'est bon. Donc ça va être un petit peu un endroit dégueulasse, hein, désolé pour ceux que je choque. De toute façon, on a visité les marais moisis juste avant, donc bon. Hein. Tac. On va monter là, tiens, pour voir ce qu'il y a. Alors, voyons qu'est-ce qu'on a tout autour de nous. Donc, je suis arrivé là-bas. Des petites notes et tout. D'accord. Allez, go. Hop. Ah, oh la vache. Attends, c'était quoi ça? Oula. Attends, je vais y retourner. On va faire attention cette fois. Ouais. D'accord, donc faut passer. Ah oh, je peux peut-être le... Ah ouais, c'est bon, je peux le tuer. Attends, je me suis dit, je vais pas me les faire tous, là, vu le nombre de trucs qu'il y a comme ça, là. Tiens! Ah voilà, ouais, et vous avez vu ça un petit peu, là, ce bon joueur, là? Eh, dis donc, hein. Et hop, viens ici toi. Encore une plume d'or, ça sert à rien ces trucs là. Hop, note. Tiens. Ah oh, ça va, ils sont plutôt faciles à battre en fait quand on les connaît. Hop, voilà. Non franchement c'est stylé les monstres, l'espèce de grosse limace verte là qui sort des tuyaux, c'est plutôt bien trouvé pour nous emmerder quand on passe dans ce genre d'endroit. Les gens de Jinjo, hop. On peut accéder à autre chose là? Non. Ah, attendez sur le truc là. Je peux peut-être y aller. Non, y'a rien, je pense. Toi, donne-moi de la vie. Bon, j'en avais déjà toutes, je pense, mais bon, c'est pas grave. Au pire, on va pas se plaindre, hein. Ah, non. Oh, j'ai cru que j'allais m'éclater. Allez, hop, où est-ce qu'on va maintenant? Hop, marche rapide. Ouais, là, c'est là où je viens. Si c'est le début, ouais, bon, on va continuer par là. Ah, la manette est toute collante, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien mangé, j'ai rien fait, pourtant. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Allez, hop. Venez ici, les petits œufs. Ça sert à rien, je m'en sers jamais, mais bon, c'est toujours cool. Ah, ici, il y a un tunnel avec des notes. On n'a rien d'autre. Qu'est-ce qu'on a là, par exemple? Ah, tourne-toi la caméra, voilà. Ah oui, là c'est là où il y a la ruche. Ouais, bah je suis plus qu'à aller dans le tuyau. Hop. C'est parti, les amis, on va récupérer les notes. Non, mais pour chaque niveau, il y a sa propre musique, avec sa propre musique sous l'eau également. C'est quand même ouf, non, le compositeur, il y a... Oula, qu'est-ce que c'est que ce machin? Le compositeur, il a du talent, quoi. Oh putain. Oh putain, le gros requin. This Clanker est mon nom, je suis le broyeur d'ordures de Grunty, j'ai besoin d'air. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh putain, t'approches pas trop, t'approches pas trop. Ah! Pff, oh là là. Plus je joue avec vous et plus je redécouvre le jeu. Ça, je pensais que c'était un espèce d'énorme requin, mais non, en fait, c'est que lui, c'est Clanker. C'est l'espèce d'énorme. Oui, c'est un requin, mais un truc mécanique. Et en fait, lui, il est gentil. Il nous attaque pas. Putain, même s'il a une gueule avec des dents là. Pff. Putain, faut que j'ai. Y'a rien à gagner ici, pourquoi je vivais? Je sais même pas. Tiens, toi, tu me surprendras pas, toi. Hop. Ouais, donc ici, il a dit qu'il avait besoin d'air. Bah écoute, je peux pas te porter, mon grand. Hein. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Putain, il y a tous les tuyaux, les trucs comme ça. On va galérer à tout explorer. Regardons un peu où est-ce qu'on est, environ. Ouh la vache, est-ce que c'est haut? Ouais. D'accord. Oh là 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 là. Ça fait... Le jeu, normalement, je le connais par cœur, mais là, ça fait tellement longtemps.
Je sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille. Attends, on va essayer un tunnel au hasard. Hein. D'abord, on va explorer ce qu'il y a au-dessus. Hein, parce que bon, on fait les choses dans l'ordre. Ne nous perdons pas. Parce que moi, ce qui m'énerve dans les jeux en général, c'est que je fais tout et n'importe comment. Après, je sais plus par quoi j'ai commencé, par quoi j'ai fini. Et moi, vu que j'aime bien en général finir les niveaux à 100%, bah ça fait que. Ça fait que je me retrouve pas et que j'arrive pas à le finir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? D'accord. Hop, on va aller là. D'accord. Oh, tête. Ah, ouais. Ah, c'est. Oh, putain. Parcours d'obstacles. Hop. Oh, encore une note chouette. Eh, viens ici, toi. Le banjo en or. Non, si je saute là, je vais me faire mal. Ah, mais je peux sauter dans l'eau. Ya oh. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, là-bas, il y a un. Là-bas, il y a une autre plateforme encore qu'on n'a pas vue. Allez, plus vite. Peut-être que je vais aller plus vite en faisant ça. Ouais, ouais, on va beaucoup plus vite en faisant ça en fait. Voilà. Y'a rien, y'a pas. Je peux pas aller dans ces espèces de tuyaux là. Voyons. Oh, il y a une vie. On va pouvoir l'atteindre. Ah. Bon bah, visiblement non. Donc on va essayer d'entrer dans un tunnel. Alors. Je suis arrivé de par où? Ah oui, le truc là-bas, tout en face de la grosse bouche du requin. On va aller vers la gauche. Bah tiens, le premier tunnel est là-bas. Donc on va y aller. D'accord, donc ça en fait c'est bloqué. Hein. Ça sert complètement à rien pour me donner une crâne de mambo. Hop, allez Kazoo, il va plus vite des ailes. Allez, plus vite. Ouais, bravo. Maintenant, l'espèce de tunnel tout vert, là. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, un Jinjo, faut que je le chope. Tiens, viens là, toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Oula, faut pas que je me ferme, parce que si je sors en plus d'autres tunnels... je suis entré dans le truc vert et je suis sorti par ça. Est-ce qu'il y a un autre tunnel? Non, on dirait pas. Oui, j'ai déjà grimpé ici. Ah, il y a un espèce de truc là en bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Des plumes d'or. Ouais, bon, on va regarder quand même, hein, parce que ça, parfois il y a des trucs intéressants cachés. Non, même pas. Bande de radin, quoi. Oh, il me fait flipper ce requin en mécanique là. Clanker. il a besoin d'air, mais c'est un poisson, mec. Tu peux respirer. D'ailleurs, t'as peur de mourir très vite, là. Hein. Allez, hop, on va dans ce tunnel encore plus vert que celui d'avant. Qui en plus s'éclaircit, s'assombrit, tout va bien. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Un hangar extraterrestre. Putain, y'a même une musique. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse? Des crânes mutants, nous sommes la pièce de puzzle à nouer, te battre, tu dois. Bah, je vous éclate, les petits gars, moi. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous faites le poids contre moi? On va prendre de nul. Ah là là. Alors. Où est-ce qu'il se ramène les autres? Ah, en voilà un. Et voilà. J'ai même pas visé bien en plus, mais bon, c'est pas grave. Il y en a un autre ici. Hop là. Bon, ça, c'était pas très compliqué l'énigme. Hein. Bah ton prix, tu as mérité. Putain, il parle pire que Yoda, lui. Il faut vraiment qu'il s'achète un dictionnaire, là. C'est pas possible, hein. On peut pas jouer complètement hein, comme ça. Hop, d'accord. Ah, peut-être que je peux grimper là-dessus. Ah bah voilà, génial. Ouais, ouais, sympa. Y aurait pas un autre passage dans le mur? Non. Bon bah hop, on va par là. Enfin, on retourne d'où on vient, s'il y a pas d'autre tunnel et tout. Ah, bon, ça va, je pensais que ce niveau-là, il serait plus compliqué d'après mes souvenirs, mais en fait, ça a l'air d'aller si je fais les trucs dans l'ordre. Regardez-moi quand même, ces nuances, là, cette espèce de gasoil là sur l'eau qui fait des espèces de formes flottantes. Je trouve ça rend super bien parce que c'est pas juste de l'eau transparente, quoi, y a même un motif dessus, etc. Puis bon, même si les textures sont un peu dégueulasses, elles ont quand même été travaillées parce qu'on voit qu'elles sont toutes très différentes, collent bien à chaque chose, on reconnaît à chaque fois qu'est-ce qui est et quoi.
Donc franchement pour l'époque c'était quand même un putain de bon jeu, super, et c'était au niveau graphisme c'était un des meilleurs. Oh putain d'accord c'est fermé. Bon il y a une pièce mais oula j'ai plus que 4. Allez vite! Chope la pièce! Et casse-toi! Ah vite! Ah non! Je vais mourir! Ah plus vite! Ah je vais mourir! Ah, ils ont l'air plutôt heureux hein, de crever, c'est... Là là, nous nageons dans l'océan! Allez plus vite! Ah plus vite! Ah! Oh! Oh, j'ai cru que j'allais crever! Hop, qu'est-ce qu'on a au fond là? Encore une espèce de tuyau. Ouh la vache! D'accord, ça s'ouvre pas ici. Ouais. Ah, il y en a même au milieu. Ah, faut vraiment que je fonde l'espèce de marais là. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a au fond. Parce qu'il doit y avoir peut-être des pièces cachées. Oh zut! Oh, c'est chiant, c'est en limite sous l'eau là, faut que je me dépêche. Bon, c'est naturel en même temps, c'est normal, hein, mais. C'est-à-dire faut que je me dépêche pour pas que je meure de manque de respiration comme un gros benêt. Hop, encore une note, et hop, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-bas? Je regarde un petit peu. Ah, ici, il y a un autre. Oula, j'ai plus que deux trucs, faut vite que je remonte. Et remonte! Oh non, Clunker pousse ta nageoire! Ah! Vite! Vite! Plus vite! Ah, même bon, je fais. Oh, quand il remonte, il en peut plus, je torture. Il y a encore des tuyaux là au fond, qu'est-ce qui se cache dedans? Plume rouge. Est-ce qu'il y a un truc caché? Là-bas, c'est le truc avec les plumes d'or. Ici, c'est juste des plumes rouges, ouais. Ah, ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est le truc que je viens de voir, peut-être? Non, peut-être, si, c'est le truc que je suis d'où je viens. Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que je pourrais monter tout là-haut, mais je crois qu'on peut que partir à un certain moment, parce que j'ai pas vu de plateforme. Ah, et... Oh! J'ai fait tous les tunnels, donc là, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, d'accord. Oh, oula, faut que je remonte. Remonte! Tu vas mourir de... Tu vas mourir de soif, j'ai failli dire. Mais putain, mais déshydratation sous l'eau. Trop fort! Et hop, grimpe! Hop, voilà. Oh, bon, on va essayer d'y aller, donc on se dépêche. Allez, plus vite! Ah, faut peut-être casser ce machin. Hop. Allez, on y va. Ah non, normalement il y a une espèce de poisson ici qui nous donne de l'air. Donc... Ah le voilà. Salut, mon nom est Gloop. Attrape mes bulles si tu as besoin d'air. Super, je peux ramasser ça. Je peux ramasser toutes les notes là. Oh raté, c'est pas grave. Je peux faire le tour. Oh raté encore. Donne-moi des bulles! Donne-moi des bulles! Voilà. Là, je peux aller plus lentement, c'est bon. J'ai juste besoin de notes, moi. Hop! Une autre là. On récupère une petite bulle d'air. Voilà, comme ça on risque rien. Je sais pas si elle nous remet l'air à fond ou si juste ça nous redonne un truc. Je ne sais pas. Tac. Si vraiment il y a une espèce de grosse clé. Donc d'après mes souvenirs, faut que je la tourne ou un truc comme ça. Donc je vais voir. Ah bah Jinjo, viens là mon petit. Vous avez peur que je meure qu'on doive tout recommencer, hein? Mais maintenant, mais moi c'est bon, t'inquiète. Le marais moisi là, je ferai plus la même erreur de toute façon. Donc je fais attention maintenant. Donc faut que je la tourne comment? Peut-être, je sais pas. Ah, comme ça. Pourquoi pas, hein? Allez hop! Bon bah, faut passer. Bah, faut passer dedans. Allez hop! On passe dedans. On passe dans la clé! Hop! Ouais, bravo, tu es trop un génie! Tu passes dans une clé de 2 mètres de haut! Oh non, ça fait au moins 5 mètres là. Non, je dis de la merde. 3 ou 4 mètres environ. D'après, si, supposons que Banjo fasse 1m80, on va dire 3 mètres. 3-4 mètres. Mais bon, je pense pas que ce soit si important que ça. Hein. Allez hop, maintenant on va remonter vite avant de mourir de soif. Mourir d'inspiration. Clunker, parfois respirer. Une récompense t'attend sur mon dos. Bah, cool, mec. Allez hop. Ah, voilà. On prend un peu de repos là. Hop, on peut grimper. Ah oui, c'est bon. Hop, oula. On chope les notes, on chope les notes, on chope les notes! Est-ce qu'on peut grimper en haut? Non, c'est trop fin. Ta 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 ta!
Et il monte et il descend le petit conculé. C'est qu'il flotte le poisson. Allez, tac, pièce de puzzle. 3. Du clonqueur a mal aux dents. J'ai mangé trop d'ordures. Aide-moi. Écoute, j'ai pas de brosse à dents sur moi sur le moment, mais bon, je vais réfléchir. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a que je fasse avec ça? Ah, ça, voilà. Fait que je donne un coup de bec. Oh, génial. Oh, maintenant faut que je galère. Je me suis rappelé qu'il fallait donner un coup de bec, mais bon, j'aurais dû faire plus gaffe quand même. Allez, go. On peut grimper direct là, peut-être non. Non, il veut pas, d'accord. Et oh, monsieur, mais pourquoi? 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 J'ai rien fait! Allez! Hop! Yes! Oh mon dieu, qu'est-ce que je fabrique? Ouh, Seigneur Dieu! Pour ceux qui regardent South Park, ils me comprendront. Oh, Seigneur Dieu! Oh mon dieu! Ah oh! Oh! Oh, un truc trop difficile! Allez, tiens! Allez, arrête de frimer avec ton sac bleu, go! Hop! Oh là là, donc là il y a le monstre en dessous, donc. Hop! Tiens! Oh ouais! On me la fait pas deux fois, moi! Allez, le pot, il est par là. Il est réapparu? Ah, non. Non, ouais, une fois que j'ai tué, il réapparaît pas. Y a pas des millions de limaces qui attendent derrière le tuyau. Ouais, donc ici il y a rien d'autre. Là-bas, j'ai vu que je pouvais peut-être accéder à une plateforme, donc je vais voir. Alors, ici... Ah non, c'est trop haut. Hein. Non, on peut pas. Ah, j'ai cru que j'allais tomber super haut. Bah, allons voir ses dents, hein. Tac. Oh, le gros respirateur, c'est classe. Oh, tu m'étonnes la gueule des dents. Oh, non, non. Peut-être que je frappe. Non, je suis con. Faut que je lance des œufs sur les dents, voilà. Ça c'est donc je me rappelle, faut que je lance les œufs sur les dents pour casser les dents ou un truc comme ça. Oui, désolé, ce n'est pas une épopée complètement découverte. Hein. Le à l'avenir, j'essaierai de faire vraiment des jeux que je découvrirai à 100% avec vous. Là, c'est vraiment de la nostalgie pure et dure. Un jeu que j'ai déjà joué, mais que, dont je me rappelle quasiment plus. Ou juste quelques bribes, comme vous voyez, là j'ai certaines énigmes que j'arrive à résoudre. Ou pas, hein, enculé, vas-y. Mais bordel, je te tire des millions d'œufs dans tes dents là. Ah, j'ai entendu un bruit de confirmation là. Ouais. Alors on attend qu'il remonte. Allez, go, go, go. Ah, voilà. Voyons s'il y en a d'autres. Ah, cette dent ne me fait plus mal. Hop, l'autre dent en or. Oui, j'aurais bien visé un peu mieux que ça. Ah, je veux mieux viser! Laisse-moi mieux viser! On attend que ça remonte, parce qu'il recule, il avance en remontant. Ah, voilà. Je vais mieux de ce côté. J'ai avalé ta récompense. Je vais beaucoup mieux. D'accord. Oula. Oh, regardez ses yeux. Oh mon dieu, il louche! Ah, il me suit du regard. Ah, c'est bien fait. Ah, ça doit servir à quelque chose, ça. Hop. On va se mettre là-dessus, hein, pour voir. Bah, monte, vas-y. Oh! Ouais. Ah, non, 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 non! Hop. Oh! Bon, visiblement, il y a une plateforme en haut, donc on va y aller. Allez, vas-y, mec! Oh, waouh, waouh, waouh. Hop. Oula, il s'en redescend assez vite, hein. Ah, d'accord. Une pièce de puzzle avec des notes. Et... Doucement, 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 doucement. Oui, ah, plus lentement, plus lentement. Ah, oh mon dieu. Tac. Je ne suis pas croyant, mais je dis ce que je veux. Voilà. Hop. Oh, mon dieu. Ah, non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ici, c'est là où j'avais été. Ah, là-bas, il y a des trucs intéressants. On y va lentement, non, non, ensuite. Oula, j'ai failli m'éclater sur son nez. Qu'est-ce qu'il fait? Je veux pas aller en bas. Non. On va pas essayer, on va pas tenter le diable, hein.
Ah, mais je... Je viens de comprendre, grâce à sa nageoire, on peut faire ça. Ah, mon... Non. Oh. Oh, il allait m'avoir sur ce coup-là. Oui. Hop. Oui, on est arrivé. Ah, il y a un truc. Bon, d'abord, on va sur celui-là. Tac, on va ici. On chope les notes. Il y a un truc à gauche. Non, il n'y a rien à gauche. Hop. Non, bah, génial. En plus, je me plante. Alors, il y a des petits œufs qui gambadent. C'est mignon. Et on y va. Tac. Ensuite, on va sur le tuyau qu'on a vu à gauche. Non, il réapparaît pas. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Tiens, on va aller là. Oh, 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 oh. Non, 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 non. Oh, j'en ai manqué. Ah, non, la nageoire retombe pas dans l'eau. Non, 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 non. Je suis un peu impatient, je sais, c'est dans mon caractère. Voilà. Tac. Allez, la nageoire, remonte-nous. C'est génial. Donc, faut aller là. Je vais me mettre en mode Kazooie sur le dos. Ah! Voilà, je sais pas ce que je voulais faire, mais. Bon, d'abord, on va là. Hop, d'abord, on va ici. On se met en mode sur le dos. Tac. On récupère. Il y a un autre truc en face. Bon, d'abord, on va là. On va dans cette espèce de trou. Ah, super. Ah, il y a d'autres choses. Ah, bah, c'est comme ça qu'on récupère la médaille, voilà. Hop, ensuite, on va voir l'autre truc. Là, remonte, petite nageoire. Go! Oui! Voilà. Hop, voilà. Wouhou! Ah, zut, non, zut! Ah bah ça va. Faire pareil, je pense. Ah bah c'est cool! Super. Oula, petite saccade, c'est pas grave. Ah, je me rappelle qu'on peut rentrer dans Clanker. Donc, je sais plus comment. On va essayer comme ça. Ah, bah voilà. C'est parfait. Oh, c'est affreusement dégoûtant. Oula, oula. Oh, dégueulasse. Oh, bah, super, tout le Jinjo. Mais il ne touche pas à l'espèce de tentacule de Sakul là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce machin. Voilà. Il nage comme un chien. Tac. Je sais pas si combien j'ai de vie, donc je préfère autant en prendre. Voilà. Je vois rien, je sais même pas par où je vais. Caméra foireuse. Oh. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, il y a plein de trucs à voir. Ah. Bon, bah, ça doit être un truc où on doit... Ah voilà, qu'est-ce que je disais? Enfin, j'ai rien dit parce que je l'ai pas dit entièrement, mais voilà. Il faut passer dans les anneaux. C'est un peu... ça, c'est dans tous les jeux vidéo. Hein. À partir du moment où ils te mettent des anneaux comme ça, c'est... Et qu'il y en a un de couleurs différentes, c'est que tu dois passer dedans et faire un parcours. Est-ce que je passe? Ah oui, c'est bon. Ça va, au moins, à chaque fois qu'on passe un anneau, on voit où est le prochain. Hop. Sauf... Ah bah... Ici, je pense que le suivant aussi. Donc, c'est bon. Ça, ça doit être le dernier. En plus, c'est le plus petit, comme par hasard. Tac. Voilà. Et ça fait quoi? Ça monte. Ça... Ok, donc là, il nous boit une grosse gorgée d'eau, Clanker, et. Et on a le droit à une pièce. Alors, faut attendre que ça remonte encore un peu. Yeah! Donc, ça va, on gagne pas mal de pièces, là, c'est cool. Hop. Oh, cette pièce déjà, bah, ça va, on a bientôt fini ce niveau. Encore une plume d'or, je m'en tape. Ça vous frustre hein, que je ramasse pas. Hein. Ah, regardez. Ah, je la prends même pas. Allez, hop, on continue. Par où est-ce que j'étais venu? Je ne sais plus. Ah, si j'étais tombé de ça, je pense. Ah, et le niveau d'eau était plus bas. Ah, ici, il y a un autre truc. Là-bas, il y a un autre tunnel. Là-bas, il n'y a rien du tout. Il y a une plume en haut. Bon, on va aller dans ce truc-là. On chope des notes. Tac.
2 notes, 3 notes, 4 notes, 5... Non, pas 5 notes dans le vide. Je pense que c'est pour sortir du clanker après l'autre, l'espèce d'autre respirateur. Oui, excuse-moi, des branchies, voilà. Je me rappelle jamais les noms, ce qu'il faut. Oh, mais ce ne serait-ce pas une petite plateforme de vol? Où est-ce qu'on peut voler, voyons? Ah ouais, on peut aller là. Dégueulasse. Je me bouge de là. Ah bah c'est comme ça qu'on atteint cette espèce de niveau. Ok. Donc ça, c'est le truc le plus dangereux que j'ai jamais vu. Qu'est-ce que tu me... Ah, c'est ça le pouvoir spécial à débloquer. Ce mouvement permettra à ta volaille de te protéger avec ses ailes. Cela me rendra-t-il invulnérable? Et comment? Maintiens Z et appuie sur C droite. Garde le doigt sur Z et utilise le stick pour te déplacer. Utilise cette technique sagement car elle te fera utiliser des plumes d'or. Ah bah voilà à quoi ça sert. Tu ne peux transporter que 10 plumes d'or dans ton sac. Tiens, voilà 5 plumes d'or pour t'entraîner. Tu connais maintenant tous les mouvements de ce monde. Donc faut que je me baisse, c'est... Ah c'est cool. Donc ça... Oui bon par contre ça part vite hein, les plumes d'or. Oh non, je vais mourir. Ah c'est bon. Hop. Ouais. Hop, on chope les autres plumes d'or. Ah en fait ça va me servir ça je pense. Dans tous les endroits où il y aura des monstres un peu dangereux, ce genre de conneries. Vite force. Ah ouais c'est bon. J'espère que j'avais rien d'autre à prendre. Non on dirait pas. Non c'est bon. Ensuite, le dernier tunnel qui est là-bas. Ah bah le plume d'or maintenant faut que je le ramasse parce que ça peut me servir si jamais il y a des espèces de... Comme je l'ai dit juste avant, je me répète constamment, c'est chiant. Hop. Voilà. C'est génial. Ah d'abord j'ai vu quand on se faisait ça, on pouvait... Ici. Ah vite vite, monte. Non, je peux pas. Bon, je peux pas m'en aller. Donc, on va retourner dans l'eau. Hein. C'est dégoûtant cet endroit. Oh mais comment je fais pour esquiver ça? Non, c'est bon. Ça passe. Ici, il faut que je passe à droite. Je sais pas à quel point ça fait mal ce machin, mais j'ai pas envie d'essayer. Oh génial, les crabes. Tiens. Hop. On va tous les tuer avant de... Ça, je me rappelle, ça. Qu'on peut les éclater avec. Hop. Oh là. C'est bizarre quand même de jouer à ce jeu, parce que un coup, je me rappelle pas. Après, d'un seul coup, je me rappelle ce qu'il faut faire, etc. Ensuite, ça me remémore des souvenirs au moment où j'y ai joué. C'est... Ah c'est pour ça que j'ai créé cette série, hein, pour qu'on éprouve tous de la nostalgie en rejoignant à de vieux jeux qui nous, auxquels on a joué quand on était petit. Je peux pas m'en aller. Il n'y a pas de sortie. Ah, les dents. Ah bah, je pense qu'il faut aller partir de la mâchoire. Faut entrer dans la mâchoire pour accéder à ces trucs-là. Voilà. Vérifie si le respirateur c'est bien le respirateur artificiel d'en face. Oui, effectivement. Ah, trou d'or, il est ici. Yac. On le chope. Il y a la dent en face aussi. Je me demande s'il y a Mumbo. Non, je pense pas. Non, on aurait vu ça. Ouais, je vois pas où est-ce qu'il pourrait se foutre de toute façon avec sa maison ici. Hop, on chope ça. Ah, voilà. Ah, il y a aussi une sortie là. Ah, ça doit être l'espèce de vis là qu'il expulse en haut de son dos sur les, avec, grâce à laquelle j'ai atteint je sais plus quel endroit. Ouais, peut-être attendre qu'elle monte. Hop, ah oui, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Ah, ici, un truc de Grunty. Qu'est-ce que ça fait, ça? Oh! D'accord. D'accord.
Je pense pas que j'ai besoin du truc. Ouh la vache. On passe. Aïe aïe aïe. Hop. Oh, et bon, en fait, je vais le mettre. Hein. Je pensais que j'en aurais pas besoin, mais visiblement. Tac. Ah, bah j'ai fini. Bah j'ai fini le monde. Voilà, génial. Qu'est-ce qu'on a ici? Et qu'est-ce qu'on a par là? Hop. Ah bah d'accord, c'est là que ça vient. En tout cas, j'ai tout fini, donc je peux m'en aller. Ah non. Ah, je sais qu'on a fini tout, mais il y a un truc. Ma curiosité me pousse à aller regarder quelque chose. Même si certains ça peut en faire chaud, au pire passer quelques minutes. Hein. C'est juste ma curiosité, je veux vérifier quelque chose. Parce que quand on est arrivé là où il y avait l'espèce de bouton de Grunty et tout, j'ai vu que derrière on pouvait aussi passer, donc je regarde où est-ce que ça peut nous mener. Là, allez, grimpe sur son dos toi. Oh génial, faut attendre qu'il remonte. Là, respire, c'est bien, tu respires bien mon grand. Hop. Donc, voilà ici. Regarde ce qu'il y a. Ça mène à quelque chose. On dirait que oui. Ah bon pas. Bah. Bon voilà, bah on a. Maintenant on sait tout. Voilà, je peux m'en aller maintenant. Hop. Je me casse. Je me casse. Wow, wow, à droite. Wow. Je sais pas pourquoi il m'a pas touché là par contre. On va là. Donc je rappelle, je joue là, donc là à Banjo-Kazooie, ça vous le savez, sur un émulateur Nintendo 64 qui s'appelle Project 64. Je joue avec une manette P880 dual analog de Seitec, donc qui se branche sur PC en USB. Hein. Et voilà, donc elle est plutôt fonctionnelle, il y a pas mal de boutons, suffisamment pour bien pour faire tous les boutons de la manette Nintendo. Donc voilà, c'est cool, hein. Moi je joue là, c'est tranquille, c'est bien. Ah, par contre après, là, quand j'arrêterai l'épisode, il faudra que je nettoie un peu, parce qu'elle est toute grasse, je sais pas pourquoi. Elle était pas comme ça avant. J'ai peut-être dû la poser entre un truc en allant manger, ou une carrière du genre. Alors, hop. Ah oui, donc je peux atteindre comme ça. Je les ai tués. Oui. J'ai eu peur qu'il me saute au visage quand même, parce que je me suis dit peut-être que vu que je suis allé trop loin, il a repop, hein, on sait pas. Et on vise bien et... Non, 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 non. On remonte. Bon, ça, le niveau était pas trop difficile, mais je trouve intéressant, moi, ce concept où, où t'arrives dans des espèces d'égouts avec, oui, avec un poisson robot, c'est... Le scénariste, je sais pas ce qu'il a pris, mais en tout cas, ça devait être super bien, parce que en tout cas, il nous a offert ce jeu. Donc, merci à toi, scénariste complètement craqué à la cocaïne. Hop, voilà. Génial, ton meilleur score de note pour ce monde. Et maintenant, 200. Eh oui, mec, je suis un dieu, c'est tout, tu peux pas tester. Allez, bon, bah ici, j'ai tout découvert, donc j'ai plus qu'à aller par là. Tac. Oui. Oula. Viens te battre, poule mouillée. Tes os, je vais craquer. Je vais faire craquer, c'est cool. Hop, on grimpe là. Oui. Oh, ah, attendez, j'ai vu les yeux de Grunty qui étaient sortis de leur orbite, là. Dans la salle précédente, je crois. Hop. Voilà. Voilà, c'est ici. Avec l'espèce de passerelle. Alors, je crois qu'il faut les enfoncer. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on gagne? Une porte. Ah bah non, bah, une pièce de puzzle. Bah, tant mieux, on va pas se plaindre de gagner des pièces de puzzle comme ça, hein, juste en enfonçant les bouts des gros yeux de sorcière, c'est pas grave. Hein. D'ailleurs, c'est même tant mieux. Voilà. Gros lard là, dégueulasse. Une espèce de gorille avec une tunique rouge. Genre un karatéka. Et regardez ça quoi, on dirait un judoka gorille dégueulasse rouge. Ça ne ressemble à rien ce machin. Allez hop, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Ah, faut pas que je tombe dessus. Hop, oh, on dégage, pousse-toi, 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 voilà. Ah voilà.
Bon, et bah, c'est écoutez tout, c'était l'épisode 4 du. J'ai failli dire journal naufragé, je suis con. De l'épopée Banjo-Kazooie sur Nintendo 64. Donc, au revoir à tous, au prochain épisode. Tchou!